je suis resté assez proche pour en avoir été le directeur et le président. Mais aujourd'hui, j'interviens en tant que vice-président d'Action contre la faim, d'où le titre de la conférence « Pourquoi meurt-on encore de faim en 2018 ?» Sachant que c'est un sujet immense, parce que, parce que c'est un sujet immense, je vais le présenter de façon forcément synthétique, forcément réductrice, mais on aura tout le loisir, si des aspects vous intéressent, que vous ressaisissiez de tel ou tel point après mon exposé. Immense parce qu'il a à voir avec les relations internationales, il a à voir avec les questions climatiques et les changements environnementaux, il a à voir avec les flux migratoires, il a à voir avec la guerre, donc vous vous rendez bien compte qu'on va forcément être dans une lecture un peu réductrice. Donc, mais on y reviendra pendant les questions. Donc, on va commencer par deux petits films, un peu punchy, un peu provocateur, élaborés par Action contre la faim, qui d'emblée illustrent deux questions sur lesquelles je reviendrai, c'est-à-dire, au niveau international et à grande échelle, quels sont les mécanismes qui conduisent à la faim. Je vous dirai, quand je reprendrai la parole après les films, le plan que je vais suivre, mais ces films vous illustrent deux situations. Les situations de guerre, quand la guerre se met à générer de la famine, parce que bien sûr, la dégradation et la violence dans un pays déstructurent beaucoup de choses, déstructurent le monde paysan, etc., et va rendre plus compliqué la production agricole, la commercialisation, etc. Donc, vous allez avoir un film sur le Yémen qui vous illustre, donc terriblement d'actualité, qui vous illustre la guerre comme facteur, comme faiseuse de famine. Et puis, on verra si certains dans la salle sont sensibilisés sur ces questions, mais aussi les grands modèles économiques et les grands modèles agricoles qui reposent sur une agriculture de type industriel et quelles sont les logiques de cette agriculture industrielle qui crée des situations de sous-nutrition ou de famine pour les petits paysans en particulier. Voilà, donc ça c'est pour que vous compreniez pourquoi on commence par ces films, pour permettre le quart d'heure carcassonné ou universel, je ne sais pas, et au retard d'arriver, mais aussi parce qu'ils illustrent déjà de façon assez pédagogique une partie du propos sur lequel je reviendrai. La meilleure façon d'être inaudible, c'est de ne pas être écouté. Depuis 2 ans, le Yémen est en guerre. Voilà 2 ans qu'un silence assourdissant lui fait écho. Depuis 2015, une coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite livre une guerre sans merci aux rebelles houthis. Et ce, dans le mépris le plus total du droit international. Bombes à sous-munitions, bombardement d'écoles et d'hôpitaux, blocage des approvisionnements. Tout le manuel du crime de guerre en double exemplaire. De leur côté, les houthis ne font pas mieux. Les combats au sol font rage et les rebelles font tout pour contrôler l'aide humanitaire. Coincés entre le marteau et l'enclume, les populations civiles comptent pour des clous. Et à force de se prendre des coups, c'est le pays tout entier qui est au bord du chaos. Des dizaines de milliers de morts et de blessés, 600 structures de santé détruites, 1600 écoles désertées. Les produits de première nécessité se font rares, alors les prix augmentent. L'économie du Yémen est anéantie, jetant ainsi plus de 3 millions de personnes sur les routes, avec au bout du chemin, comme toujours, la faim. Aujourd'hui, au Yémen, 4,5 millions de personnes ont besoin d'une assistance nutritionnelle. 3,3 millions souffrent de malnutrition aiguë. 462 000 enfants sont en danger de mort. Il y a 2 ans, ils étaient 170 000, soit plus de 200% d'augmentation. Pourtant, malgré l'urgence, l'accès à l'aide humanitaire est très difficile, ce qui augmente encore les risques de famine. L'entrée au Yémen pour les biens comme pour les personnes est verrouillée par la coalition. L'Arabie Saoudite et ses alliés n'ont pas envie d'ouvrir la porte. Les Houthis limitent tout déplacement une fois sur place. Les ONG passent par la fenêtre, mais c'est presque mission impossible. En plus des difficultés d'accès et de l'insécurité, l'aide humanitaire souffre d'un sous-financement dramatique. En 2016, seulement 60% des fonds nécessaires ont été reçus. En 2017, seulement 6% pour le moment, avec une mobilisation trop faible de la France. La France, vous voyez, c'est là. C'est un beau pays, la France. C'est la patrie des droits de l'homme et l'héritière des Lumières. Pourtant, dès qu'il s'agit de l'Arabie Saoudite, la France appuie sur l'interrupteur. Si la France tend la main, c'est celle qui vend des armes. Puisque l'argent n'a pas d'odeur, aucune raison de se boucher le nez, ni de respecter le traité sur le commerce des armes, défendu et signé par la France en 2014, et qui interdit tout transfert d'armes à des pays commettant des crimes de guerre. Le droit international est bafoué. La famine se répand comme une traînée de poudre. Les bombes pleuvent, les enfants meurent. Et le Yémen, qui était déjà le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, s'enfonce chaque jour un peu plus dans un conflit qui le déchire et menace de le réduire en poussière. Le tout dans l'indifférence générale et avec la complicité de notre grande démocratie. Aujourd'hui, l'urgence est de pouvoir sécuriser l'accès à l'aide humanitaire et son acheminement afin d'apporter l'assistance nécessaire aux populations civiles. Nous devons mettre en œuvre toutes les mesures pour rendre cela possible.
Voilà 2 ans que le Yémen est inaudible. Il est temps de tendre l'oreille et la main et d'agir pour qu'enfin notre aide lui parvienne. Donc une première illustration des mécanismes, la question de la guerre et puis bien sûr derrière la guerre des intérêts économiques, des intérêts des grandes puissances et on y reviendra peut-être dans le débat. Maintenant un deuxième film qui renvoie à la question des grands modèles en vigueur dans l'industrie agroalimentaire. Le droit à l'alimentation constitue l'un des droits humains les plus fondamentaux. Pourtant, la faim touche encore 795 millions de personnes, soit 1 personne sur 10 dans le monde. C'est trop. Selon la FAO, la situation est alarmante en Asie du Sud, et pire encore en Afrique subsaharienne, où 20% de la population souffre de la faim. Face à ce fléau, les initiatives internationales se multiplient. Le partenariat Gro-Africa, la GAXA, ou encore sous l'égide du G7, la NASAN. Comprenez, nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Le leitmotiv commun de toutes ces initiatives, libérer le pouvoir du secteur privé dans l'agriculture. Leur objectif, accroître la production agricole en Afrique. Pourtant, ce n'est pas le problème principal. Le manque de nourriture n'est pas la cause première de la faim. En réalité, la situation est bien plus complexe. La faim est liée à la pauvreté, aux conflits ou encore aux catastrophes naturelles. Sans oublier l'accaparement de terres tombé sous la mainmise des multinationales de l'agroalimentaire. Qu'importe, convaincus que la hausse de la production est la seule réponse possible aux problèmes alimentaires, les États africains, soutenus par les pays riches et les bailleurs de fonds, ouvrent les terres et les marchés africains aux multinationales. Elles y installent une agriculture industrielle qui accentue le changement climatique, creuse les inégalités et entre en concurrence avec les agricultures familiales et paysannes. Destinées à faciliter l'installation de ces entreprises, des pôles de croissance agricole sont même mis en place sur certains territoires. C'est le cas au Burkina Faso, où le pôle de croissance de Bagré, projet phare de la NASAN, est à l'origine de l'expulsion de plusieurs milliers de paysans. En contrepartie de leurs terres, ils perçoivent des compensations qui ne leur permettent pas de vivre, ni de travailler dignement. En Côte d'Ivoire, dans le cadre de la NASAN, des multinationales comme ETG ou Louis Dreyfus, leader du commerce de matières premières, prévoient des projets couvrant des dizaines de milliers d'hectares. Certains conduisent à un endettement massif de paysans, ce qui profite aux uns, ne nourrit pas les autres. Alors que l'agriculture familiale en Afrique subsaharienne représente 70% de l'emploi, 40% des exportations de marchandises, 33% du PIB, et qu'elle nourrit 80% de la population, les initiatives comme la NASAN ou la multiplication des pôles de croissance agricole accroît les inégalités et met en péril la souveraineté alimentaire des populations locales. Une sombre réalité dont se rendent responsables des pays développés. La France, par exemple, est le 3e contributeur financier de la NASAN et le chef de file de l'initiative au Burkina Faso. Pour lutter réellement contre la faim, la France devrait sortir des initiatives qui nuisent à la souveraineté alimentaire, s'engager pour le droit à l'alimentation des plus vulnérables et soutenir une agriculture familiale en encourageant l'agroécologie paysanne. Changeons de cap avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, vous voyez avec ce film très, très politique quand même qu'on est loin de la part d'Action contre la faim mais aussi du CCFD ou de Oxfam, d'une vision humanitaire un peu caritative avec le sac de riz sur l'épaule de l'ONG française ou européenne qui vient sauver de la malnutrition des pauvres victimes africaines. Donc on est sur une lecture et une analyse beaucoup plus économique et beaucoup plus politique. Et ce n'est pas tout à fait par hasard, ça sera le dernier point de l'exposé dont je vais vous dire le plan, que ce film se déploie par rapport à l'Afrique. L'Afrique qui est certainement à nouveau, et pour des raisons que j'essaierai de partager avec vous, le continent à très haut risque dans les décennies qui viennent et j'essaierai de vous dire pourquoi. Alors je vais vous faire une présentation qui s'articulera rapidement en 6 points. D'abord, par rapport à la question et au titre qui a été donné à cette conférence, pourquoi meurt-on encore de faim en 2018 ? Quel est l'état des lieux ? C'est-à-dire quel est l'état des lieux quantitatif et quelle analyse peut-on faire aujourd'hui au plan macro, au plan international, de la question de la sous-nutrition et de la faim. Deuxièmement, partager avec vous, Jean-Marie disait un ancien médecin, oui je suis un peu médecin défroqué parce que je suis passé à autre chose, mais en tous les cas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'un individu à un moment donné rentre en sous-nutrition, et puis en sous-nutrition aiguë et en sous-nutrition aiguë sévère, quels sont les mécanismes
physiologique qui se passe. Et puis, je prendrai un peu de distance par rapport à ça et je reviendrai sur les grandes causes internationales qui ne produisent non plus la famine d'une personne, mais qui détruisent les systèmes alimentaires et mettent en péril l'alimentation d'une personne, mais d'une population dans un grand nombre. Ensuite, j'évoquerai avec vous l'actualité internationale des principales crises en cours. On en est où aujourd'hui des grandes crises dont vous entendez parler quelquefois de façon éphémère dans les médias, puis on n'en entend plus parler. Là aussi, pour préparer le débat, s'il y a parmi vous des gens que ça intéresse, quels sont les enjeux auxquels sont confrontés les humanitaires aujourd'hui pour pouvoir agir. Et puis, je reviendrai sur l'Afrique pour insister sur quelques facteurs particuliers de ce continent qui est une fin de propos qui ne sera pas très optimiste, parce que je ne suis pas très optimiste pour ce continent et j'essaierai de vous dire pourquoi. Alors, premier point, l'état des lieux. On en est où avec les questions liées à la faim et dans sa forme la plus extrême à la famine? Ça a été déjà évoqué par un des films. Environ 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. 38 pays sur les 193 officiellement enregistrés aux Nations Unies sont en besoin d'assistance alimentaire en 2017. Et sur ces 38 pays, 28 sont des pays africains. Quand on parle de la faim, le coup de projecteur est souvent sur les enfants, parce que c'est quand la faim va frapper les enfants qu'on va assister à un taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans qui est important. Et c'est ce taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans qui va faire que l'espérance de vie dans les pays les plus concernés par la famine va être tirée par le bas. Donc, si on met un coup de projecteur pour qualifier les mécanismes de la faim sur les enfants, en 2017 toujours, 160 millions d'enfants, un enfant sur quatre, souffrait de malnutrition chronique. Si on s'intéresse à la question de la malnutrition aiguë, c'est un enfant sur 13, soit environ 7% des enfants de la planète, qui sont en situation de stress alimentaire et en étant dénutris de façon préoccupante. Quand un enfant est dénutri de façon préoccupante, j'y reviendrai après dans mon deuxième point, et il est plus exposé à mourir, je vous dirai pourquoi. Et donc un enfant qui souffre de malnutrition aiguë, il a trois fois plus de chances de mourir avant l'âge de 5 ans qu'un enfant qui est bien alimenté. Si on s'intéresse à la forme la plus sévère de la sous-nutrition, qui est ce qu'on appelle la malnutrition aiguë sévère, qui sont ces tableaux qu'on voyait historiquement dans des guerres comme le Biafra ou autre, d'enfants absolument faméliques. Et dans le cadre de la sous-nutrition aiguë sévère, la façon de tirer ces enfants de cette difficulté, ce n'est plus la réalimentation, c'est des voies médicales, donc des mises sous perfusion avec de l'alimentation parfois parentérale, comme on dit chez les médecins. Donc ça relève d'une prise en charge qui incombe davantage à des équipes pédiatriques spécialisées. Quand un enfant présente une sous-nutrition aiguë sévère, il a 11 fois plus de chances de mourir avant l'âge de 5 ans qu'un enfant qui est bien nutri. Donc vous comprenez pourquoi on met le coup de projecteur quand on parle de la sous-nutrition sur les enfants, parce que c'est eux qui vont, par des taux de mortalité anormalement élevés, tirer l'espérance de vie d'un pays vers le bas. Dans les pays qui souffrent de sous-nutrition aiguë sévère, donc on a non seulement une forte proportion d'enfants qui présentent ce type de problèmes de santé, mais en plus on a un déficit de présence et de performance des équipes médicales qui fait que moins de 10% d'entre eux peuvent être pris en charge par des équipes de pointe, comme on le ferait dans un service de pédiatrie à Carcassonne ou à Toulouse ou ailleurs. Donc on a, dans ces pays les plus frappés par les questions de famine, à la fois un poids très important de ces formes extrêmes de la sous-nutrition et à la fois un déficit de capacité de leur système de santé à faire face. Parce qu'après tout, on pourrait imaginer qu'on a
dans certains pays de très forts taux de malnutrition aiguë sévère, mais qui seraient récupérés par des équipes médicales et soignantes, efficaces, performantes. Mais en général, là où on a l'un, on a l'autre, ce qui explique le très fort taux de surmortalité. Quelles sont les... ces causes de sous-nutrition, on considère qu'elles sont à l'origine de presque la moitié de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Les enfants de moins de 5 ans meurent surtout dans les pays en développement, meurent de différentes choses, du paludisme, de diarrhée, etc. Mais pour environ la moitié, ils meurent des conséquences de cette malnutrition. Et vous savez que, par exemple, vous ne savez pas, que l'UNICEF, qui est une des organisations des Nations Unies spécialisées dans le domaine de l'enfant, sort chaque année un rapport. Et dans ce rapport, elle classe les différents pays de la planète en les classant des pays où les taux de mortalité des moins de 5 ans sont les plus faibles aux pays où les taux de mortalité des moins de 5 ans sont les plus élevés. D'accord ? Donc c'est comme ça que l'UNICEF rend compte chaque année de l'état du monde en essayant d'apporter un éclairage sur, dans chacun des 193 pays officiellement reconnus par les Nations Unies, quel est l'impact de ce qu'on appelle le TMM5, le taux de mortalité des moins de 5 ans. Et quand vous allez dans un pays en visite ou en mission, ou même pour faire du tourisme, vous inquiétez du TMM5 dans ce pays, vous dites tout sur ce pays. Si vous avez un pays comme l'Afghanistan, où statistiquement un enfant sur 5 va mourir avant l'âge de 5 ans, eh bien ce n'est pas pareil que, donc on est à 250 pour 1000 naissances vivantes, c'est pas pareil qu'un pays comme la France qui va avoir un taux de mortalité de 8 pour 1000. D'accord ? Donc vous voyez que d'emblée, ce chiffre du taux de mortalité moins 5 ans vous donne une photographie qui vous éclaire instantanément sur le pays auquel vous vous intéressez. Il ne faut pas s'étonner non plus, et c'est une des raisons qui me faisait dire que parler de sous-nutrition est un phénomène complexe, il ne faut pas s'étonner non plus que dans un pays, si vous êtes afghan et que vous allez perdre un enfant sur 5, que vous êtes une société agricole traditionnelle, vous allez pallier cette forte mortalité en enfants par un grand nombre d'enfants. Puisque vous allez en perdre beaucoup, vous allez être tenté d'en avoir beaucoup, surtout dans des sociétés agricoles traditionnelles pour qui les enfants représentent un capital retraite. D'accord ? Donc, faire des raccourcis, comme on en a eu quelquefois en disant « mais pour sauver l'Afrique, c'est simple, il faut diminuer le nombre d'enfants. » Oui, il faut diminuer le nombre d'enfants, mais toutes les populations et un certain nombre d'études internationales ont montré qu'une société qui perd moins d'enfants a moins d'enfants. D'accord ? Le faible taux de natalité par femme est un phénomène d'adaptation naturelle d'une population traditionnelle qui perd beaucoup d'enfants et qui veut, surtout si elle est agricole, ménager son capital vieillesse, puisque ce sont des pays où lesquels il n'y a pas de retraite, etc. Et les enfants, c'est à la fois la perpétuation de la capacité de travail dans les champs, si on est dans des domaines agricoles, et c'est la sécurité des personnes en termes de vieillissement. Donc on a globalement une sous-nutrition chronique qui diminue. Mais par contre, sur les questions de sous-nutrition aiguë sévère, les pays qui sont en retard restent en retard et n'arrivent pas à décoller. D'autre part, cette amélioration, on considère qu'il y a environ, je regardais mes notes, 100 millions de personnes de moins, je vous ai annoncé 800 millions de personnes concernées par la faim. On considère qu'il y a environ 100 millions de personnes de moins qu'il y a une trentaine d'années. Mais cette amélioration cache des inégalités apparentes, c'est-à-dire qu'on a des pays comme l'Inde, comme le Brésil, qui ont fait des progrès assez notables. Et on a un certain nombre de pays, sur le continent africain, mais pas que, en Asie également, qui stagnent. Donc, on a les pays pénalisés par la faim qui le restent notablement. Sur l'état des lieux toujours, un certain nombre d'études, je ne vais pas citer les références, mais laissent à penser que donc aujourd'hui on est environ 7 milliards d'individus sur la planète, et que la quantité
de nourriture produite permet d'ores et déjà de se projeter en disant que nous pourrions, à la lumière de la quantité de nourriture produite aujourd'hui, nous pourrions nourrir 12 milliards d'individus. Donc, nous avons de la marge. Nous avons de la marge. Pourquoi, alors que la production de denrées alimentaires permettrait de faire vivre 12 milliards d'individus, sommes-nous déjà dans une situation où presque un milliard sont confrontés à la faim? Eh bien, c'est que cette production agricole, elle est en partie gaspillée, elle est en partie perdue, ou elle est en partie orientée vers autre chose que la nutrition humaine, soit la nutrition animale, hein, sur un modèle économique sur lequel je reviendrai tout à l'heure, soit pour produire des substances qui vont être détournées de leur valeur alimentaire pour être utilisées, par exemple, comme biocarburant, ou, etc., etc. Mais nous produisons d'ores et déjà largement de quoi faire face à l'ensemble de la population, et nous avons de la marge. Sur les 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, on est dans un paradoxe qui est que trois quarts d'entre eux sont des petits paysans. J'y reviendrai tout à l'heure en parlant des modèles agricoles. La planète, elle connaît à la fois une augmentation de sa population mondiale, mais elle connaît aussi un autre phénomène que les humanitaires découvrent et auquel ils doivent s'adapter, qui est un très fort taux d'urbanisation. La population mondiale s'urbanise. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une population qui s'urbanise, quel que soit le continent, change ses pratiques alimentaires et ses cultures alimentaires. Donc, on a à la fois une population qui augmente, mais parce qu'elle s'urbanise, qui, entre autres, se sédentarise, ce qui est un autre problème sur la malbouffe, parce que on a quelquefois des pays qui sont dans la double peine, c'est-à-dire que dans lesquels, et je pense surtout à l'Afrique du Nord, une partie de la population n'a pas assez à manger quantitativement, alors qu'une autre partie de la population mange mal qualitativement. Ce qui fait que vous avez dans toute la partie d'Afrique du Nord des taux de mortalité liés au diabète ou à l'hypertension artérielle et aux maladies cardiovasculaires qui sont énormes. Donc c'est la double peine. En tous les cas, une population qui s'urbanise est une population qui change ses pratiques alimentaires. Donc tout ça pour dire, pour conclure sur ce premier point de l'état des lieux, que la question de la faim dans le monde n'est pas une question liée à une insuffisance de denrées, elle est liée à une insuffisance dans les conditions de sa répartition au profit des différentes populations. Alors, comment est-ce qu'une organisation comme Action contre la faim, mais pas que, toutes les ONG ou toutes les organisations humanitaires internationales abordent-elles la question pourquoi est-ce que des individus meurent en relation avec la faim et avec la sous-nutrition? De façon assez synthétique, il y a deux grands mécanismes. Il y a des mécanismes, on peut être confronté à la faim parce que on a des apports insuffisants, parce que nous ne recevons pas assez de nourriture, et dans la nourriture que nous recevons, j'y reviendrai un petit peu plus tard, nous pouvons recevoir trop peu de nourriture, soit au plan quantitatif, soit au plan qualitatif. C'est-à-dire que nous pouvons recevoir une nourriture, certes qui en termes de calories peut être suffisante, mais qui ne nous apporte pas la palette de produits dont nous avons besoin pour faire face aux maladies, et en particulier pendant l'enfance. Et puis, il y a tout ce qui concerne, et quelquefois les deux mécanismes sont intriqués, des populations qui reçoivent trop peu, au plan quantitatif ou qualitatif, et qui en plus perdent le peu de nourriture qu'elles sont censées recevoir. Comment est-ce qu'elles le perdent? Elles le perdent parce que, essentiellement, elles sont touchées par des maladies infectieuses qui vont détourner une partie du peu d'alimentation qu'elles reçoivent. Ça veut dire que si vous êtes un enfant qui vit dans un pays où il y a des maladies comme les parasites digestifs, etc., si le peu que vous recevez est complètement capté par des vers, par le ténia, par des ascaris, etc.,
eh bien déjà que vous recevez peu, ces parasites détournent de votre organisme une partie de des substances actives et viennent encore diminuer la quantité efficace que vous recevez. Ou, autre grand mécanisme omniprésent dans les pays en développement, vous recevez peu de nourriture et vous avez une dysenterie majeure, eh bien, le peu que vous avez absorbé va partir dans des crises de diarrhée. Donc, ce sont ces deux mécanismes en situation extrême, de pauvreté des apports et détournement de ce que reçoivent ces populations qui vont entraîner la mort. Il y a, si on s'écarte maintenant de l'individu pour parler des populations, il y a une notion dont vous entendrez souvent parler, qui est la notion d'insécurité alimentaire. Qu'est-ce que c'est que l'insécurité alimentaire, ou qu'est-ce que c'est que... Quand est-ce qu'une population comme le village d'Arzens, pour parler concrètement, quelles sont les conditions pour qu'une population locale soit en sécurité alimentaire? Que vous n'ayez pas de préoccupation globalement pour la population de ce village ou de ce canton à vous nourrir. La sécurité alimentaire est une notion qui regroupe quatre considérations. Pour être en sécurité alimentaire, il faut que les matières agricoles et les produits alimentaires soient disponibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient produits et offerts au marché. C'est-à-dire que pour vous nourrir, il faut que ces matières soient à votre disposition sur les marchés, dans les commerces, ou qu'elles vous soient données. Mais restons dans une période hors de crise, il faut qu'elles soient disponibles et que vous puissiez les avoir à portée de main. Mais la disponibilité renvoie à une deuxième notion importante en santé internationale, qui est l'accessibilité. Vous pouvez avoir un marché qui est très bien achalandé, mais si vous n'avez pas accès à cette nourriture, vous ne pouvez pas vous en saisir, donc elle sera indisponible pour vous. Pourquoi pourrait-elle être indisponible pour vous? Parce qu'elle est trop chère et que vous n'avez pas les moyens d'acheter le maïs, le riz, etc. Parce que les marchés existent, elle est produite, mais trop loin de chez vous et vous n'avez pas les moyens de vous déplacer pour aller acheter vos denrées nécessaires. Et, ou troisièmement, parce qu'on met à votre disposition des denrées alimentaires, mais qui ne vous plaisent pas culturellement. Vous êtes un Africain, vous êtes telle population dans telle région qui est habituée à manger du mil ou du sorgho, on vous propose de manger du maïs, c'est pas du jour au lendemain que vous allez changer de pratique alimentaire. Donc la notion de disponibilité renvoie au fait que vous devez avoir l'argent, vous devez avoir la proximité géographique et vous devez avoir une représentation de ce qu'on vous propose à manger qui soit compatible. Et puis ensuite, la troisième notion de la sécurité alimentaire, c'est que vous devez pouvoir utiliser ces aliments. Et utiliser ces aliments, pour vous ça tombe sous le sens, mais ça veut dire avoir des gamelles pour faire chauffer ces produits, avoir de l'eau pour faire bouillir votre riz ou votre maïs, et de l'eau de bonne qualité, avoir du combustible pour faire votre cuisine, ce qui, en situation humanitaire ou en situation de pays en développement, ne va pas de soi. Et la quatrième pilier de cette notion de sécurité alimentaire, c'est que vous devez avoir tout ça sur la durée. C'est pas un jour oui, un jour non, un jour vous avez tout ce que je viens de décrire, les trois piliers, et le lendemain vous l'avez plus. Vous devez être sécurisé quant au fait que ces trois piliers de la disponibilité, de l'accessibilité et de l'utilisabilité, eh bien, vous l'avez sur la durée, vous n'avez pas d'inquiétude pour la semaine prochaine ou le mois prochain. Alors, quels sont les mécanismes qui font qu'au niveau d'un pays ou d'un ensemble de pays, on se trouve confronté à des tableaux de faim importante, voire dans la forme la plus extrême, de famine. Je vais artificiellement découper l'analyse en quatre grandes situations qui souvent sont intriquées. Mais pour les besoins de la démonstration, je vais découper en quatre familles. Il y a d'abord les causes environnementales, c'est-à-dire que toutes les questions liées au réchauffement climatique ont pour corollaire d'entraîner une progression de la désertification. Cette désertification, elle a pour effet à la fois de rendre des terres incultes, mais de façon plus insidieuse,
de diminuer globalement la rentabilité des terres agricoles. Donc les questions environnementales sont très importantes. Alors je cite le réchauffement climatique, mais je pourrais vous citer les remontées de sel dans les terres agricoles en bordure de côte, etc., ou à force de pomper par excès l'eau pour du maraîchage, etc. On est dans des zones côtières, et par exemple les Pyrénées-Orientales sont un département éminemment exposé à cette question en France, et là on n'est pas, en Inde ou on n'est pas en Chine, c'est qu'on pompe tellement le maraîchage pompe tellement de l'eau douce dans le sous-sol, comme on est en bordure de mer, les aquifères, donc les canaux de circulation de l'eau souterraine, qui sont en contiguïté avec la Méditerranée, sont désertés par l'eau douce, l'eau de mer s'infiltre, remonte. Donc vous voyez que ces questions climatiques, de changement climatique, c'est à la fois le réchauffement, mais aussi des mécanismes différents, comme la question des aquifères. Donc la première famille des causes environnementales, qui dégradent la productivité agricole. Deuxièmement, les modèles économiques, c'est-à-dire que non seulement on a les effets du réchauffement climatique ou des dégradations environnementales qui se font sentir, mais on a en plus une tendance lourde au développement d'une agriculture agro-industrielle dont je pointerai un petit peu plus tard les effets négatifs. Les causes politiques, l'accaparement des terres par les grandes sociétés, et puis les conflits armés qui, je ne vais pas le redire, la violence entraînant une difficulté à exploiter les terres naturelles et viennent encore aggraver la question de la sous-nutrition, de la disponibilité des denrées alimentaires. Alors les causes environnementales, je vais aller un petit peu vite et on y reviendra si vous voulez sur le débat après, mais un certain nombre d'études, en particulier nord-américaines, montrent que si on arrivait à tenir l'ambition une des ambitions de la COP21 de Paris de 2 degrés ou 3 degrés en plus d'ici 2100, donc si nous étions dans un scénario optimiste par rapport à la COP21 de Paris, malgré tout, il y a un certain nombre de régions à plus 3 degrés qui vont voir diminuer leur productivité agricole de 50%. Si nous étions bons élèves. Donc si on n'était pas bons élèves et qu'on tendait vers les plus 4 qu'avait annoncé le GIEC de 2014, je crois que c'était. Donc, sans pinailler, parce que ces relations sont complexes, en tous les cas, moins nous atteindrons les objectifs de maîtrise du réchauffement climatique, plus nous allons dégrader la productivité agricole. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, l'équation n'est pas simple, et je ne suis pas un spécialiste pour le développer, mais c'est surtout ce que je voulais partager avec vous. Donc, dans des régions où on aura, et ça va être surtout le cas de l'Afrique, je terminerai par ça, une baisse des rendements agricoles et une augmentation exponentielle de la démographie de la population, cet effet de switch, cet effet de double contrainte va être majeur. Donc, les effets du changement climatique, les modèles agricoles, avec deux grands modèles qu'évoque le petit film, le modèle de la production agricole industrielle, dont les caractéristiques sont les suivantes: grosse consommatrice d'intrants et d'engrais en particulier, qui met les agriculteurs, les paysans en situation de devoir utiliser des semences hybrides ou transgéniques, donc dans une situation de dépendance par rapport à des producteurs du monde de l'industrie, et qui est le développement d'une agriculture qui repose sur un investissement privé. Alors même que ce modèle, quelles sont ses caractéristiques de ce modèle agro-industriel? Il utilise aujourd'hui d'ores et déjà 70% des terres arables. Il utilise 70% de l'eau douce qui est utilisé pour l'agriculture. Vous savez que la planète est en difficulté par rapport à l'eau douce.
l'équation de la consommation d'eau douce, c'est où est-ce qu'on consomme de l'eau douce sur la Terre ? 90% agriculture, 7% consommation humaine, la toilette, la boisson, etc. 3-4% industrie. Donc, le gros consommateur d'eau douce de la planète, autre problème environnemental majeur, c'est le monde de l'agriculture. Donc il est évident, 90%, donc il est évident que si vous êtes sur un modèle agricole de type industriel qui pompe à, ou qui utilise à outrance parce qu'on veut faire du maïs là où il ne faudrait pas faire du maïs, parce qu'on veut faire tel produit là où c'est une aberration du point de vue de l'arrosage, etc., vous avez donc un modèle qui vient encore aggraver par une boucle de rétroaction la question de la tension sur l'eau douce. Donc, un modèle industriel qui occupe 70% des terres arables, qui consomme 70% de l'eau douce de la planète et qui produit 30% de la nourriture de la planète. Mais un modèle agro-industriel qui, depuis 40 ans, a multiplié par 8 la consommation d'engrais, et pendant qu'il multipliait par 8 les intrants chimiques, il a multiplié par 2 la productivité agricole. Donc, un certain nombre d'observateurs considèrent que défendre vaille que vaille un modèle d'agro-industrie, c'est aller dans le mur, puisqu'il est en train de s'essouffler dans sa capacité à répondre réellement aux enjeux de la planète. Et il y a une productivité, un gain de productivité de la production agricole industrielle qui va tomber à 1,5% d'ici 2030, et qui, après 2030, va tomber à moins de 1% de gain de productivité. Donc, je suis pas un spécialiste, mais on ne peut que s'interroger devant augmentation exponentielle des engrais et des intrants, augmentation exponentielle de l'eau, essoufflement de la productivité. Donc, il y a certainement quelque chose à réfléchir, et c'est ce que vous dit le film. Par ailleurs, ce modèle agro-industriel, il est un gros producteur de gaz à effet de serre, qui lui-même va alimenter la question du réchauffement climatique. Pourquoi ? Quels sont les principaux gaz à effet de serre qui sont à l'origine de l'augmentation supposée de la température de la planète ? Il y en a 3. Le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Ce sont les 3 gaz principalement impliqués dans l'augmentation de la température. Or, le dioxyde de carbone, le modèle d'une industrie agroalimentaire très mécanisée et productrice de CO2, le méthane, tout ce qui est les élevages bovins extensifs, producteurs de lisier, etc., sont d'éminents producteurs de méthane, et le protoxyde d'azote, comme son nom l'indique, dans tout ce qui est les engrais azotés, gros producteurs de produits azotés. Donc vous comprenez pourquoi un certain nombre d'observateurs des questions environnementales estiment que dans toutes les vigilances qu'il faut avoir sur le réchauffement climatique, un des enjeux cruciaux, et qui ne concerne plus uniquement que le problème de la faim, mais des questions environnementales, c'est l'attention que nous devons accorder à la question du modèle agroalimentaire de type industriel. L'autre alternative, c'est le modèle familiale d'agriculture paysanne ou d'agriculture d'agroécologie. Alors là, l'équation est inverse. Ils produisent 70% de la... Aujourd'hui, telle qu'est la planète, ils produisent 70% de la nourriture mondiale sur 30% des terres arables, les 30% qui ne sont pas cultivées par l'agro-industrie. Et on estime que dans cette famille-là de petits agriculteurs, en sachant que il ne faut pas enjoliver le tableau, par ailleurs, comme je vous dis qu'il y avait la question des migrations, de l'exode rural, etc., et il y a de moins en moins de petits agriculteurs, mais en tous les cas, que dans cette famille des petits agriculteurs qui continuent de produire 70% de la nourriture de la planète, il y a encore des marges de progression en termes de productivité agricole qui n'existe plus dans le modèle agro-industriel. Donc je vous livre tout ça et vous ferez votre propre opinion. Quatrième point, l'actualité humanitaire
sur ces questions liées à la nourriture. On l'a vu avec le Yémen, il y a les grandes crises internationales aujourd'hui, en volume, hein, parce qu'il y en a plein des crises internationales. La Syrie, l'Irak, le Yémen, le Soudan du Sud, la Somalie, le Nigeria, d'accord, pour citer les plus importants d'entre eux. Si on s'intéresse aux quatre dernières crises, le Yémen, le Soudan du Sud, la Somalie et le Nigeria, avec les histoires de Boko Haram et du lac Tchad, rien que pour ces quatre pays, il y a eu un appel à financement de 4 milliards de dollars en 2017. Alors, qu'est-ce que ça représente, 4 milliards de dollars ? L'aide humanitaire mondiale, c'était jusqu'à 2010 environ 15 milliards de dollars. D'accord ? Et à partir de 2010, avec les conflits majeurs en Irak, en Syrie, puis ensuite l'Afghanistan qui dure, la Centrafrique dont on n'entend plus parler, la République démocratique du Congo dont on n'entend plus parler, on a eu un saut qui nous a fait passer de 15 milliards de dollars à 25 milliards de dollars. Et on se demande où on va aller chercher l'argent pour continuer à faire face, parce que donc on a un problème majeur d'alimentation financière. Quels sont les enjeux auxquels sont confrontés les humanitaires aujourd'hui? D'abord, comme je viens de le dire, l'augmentation du nombre de crises, et on a des difficultés à avoir des financements pour faire face à toutes. Ces crises, elles s'accompagnent de phénomènes migratoires importants. On en a une déclinaison en Europe et en Méditerranée, c'est pas la peine que je vous en dise plus, l'actualité quotidienne alimente tout ça. Par ailleurs, troisième caractéristique, la dangerosité des terrains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des organisations humanitaires françaises ou anglaises ou allemandes, aller travailler dans des terrains comme le Yémen, comme la Syrie, comme l'Irak, confronte les organisations à des problèmes majeurs. Donc si vous êtes le président ou le vice-président d'une organisation comme ça, ou si vous êtes tout simplement un cadre, bien, vous allez y réfléchir à deux fois avant d'aller exposer les jeunes gens à ces questions de sécurité, parce que s'il y a des problèmes, si vous voulez, je pourrais vous en parler, pour avoir géré par exemple à Médecins du Monde une question de kidnapping en Somalie, après les familles vous demandent des comptes quand même. Hein. C'est-à-dire, ok, on a kidnappé mon fils ou ma fille, mais pourquoi ci, pourquoi ça, et qu'est-ce que vous avez fait en termes de sécurité, quelles sont les assurances que vous avez prises, et montrez-moi que vous avez fait le maximum et que vous ne les avez pas envoyés de façon un peu inconsidérée en situation d'urgence. Donc, bien sûr, sur les questions de sécurité. Donc tous les dirigeants humanitaires sont dans une espèce de tension qui est qu'il y a des situations parfois dramatiques, mais vous allez hésiter à envoyer des équipes parce que vous n'avez pas envoyé envie de... Si vous tombez sur des énervés sur les questions religieuses en Syrie ou en Irak, vous n'avez pas envie d'exposer des jeunes gens que vous avez dans vos équipes. Donc ça, c'est un problème majeur. Et puis, autre chose... moins connu dans le grand public aujourd'hui, la question des crises oubliées. C'est-à-dire que on vit au rythme de l'actualité, la guerre survient en Syrie, l'Irak chasse des médias la Syrie, puis le Yémen chasse l'Irak, et puis telle crise de Boko Haram va chasser l'Irak, mais ces crises perdurent. Elles ne sont pas aussi éphémères que le traitement médiatique. Ça veut dire que Haïti n'est toujours pas relevé du séisme de je ne sais plus quand, de 2010, que l'Afghanistan en finit plus d'aller mal, que l'ex-Zaïre, la République démocratique du Congo, est dans un état de déliquescence incroyable, que la Centrafrique est au bord de l'implosion, que la Somalie va toujours pas mieux, et que donc, une des caractéristiques de l'aide humanitaire internationale aujourd'hui, c'est que ces crises durent. Et donc vous devez faire face à la survenue de nouvelles crises, tout en maintenant l'attention que vous avez pour un pays comme l'Afghanistan. Olivier Roy disait de l'Afghanistan, le pays de l'éternité en guerre. L'Afghanistan est en guerre depuis des décennies. Et les besoins continuent d'être très importants. Donc comment faire face aux nouvelles crises, tout en n'étant pas dans l'éphémère et le médiatique
uniquement là où il y aurait BFM TV, mais il faut continuer à aider les personnes en Haïti, en Afghanistan et en Centrafrique. Et pour finir par un tableau encore plus préoccupant, la question de l'Afrique. Donc l'Afrique, continent de tous les dangers, de tous les espoirs, pour ne pas être purement négatif, mais de tous les dangers également. Donc un continent qui aujourd'hui représente environ 15% de la population mondiale. D'accord ? À peu près 15%. 90% des morts par paludisme dans le monde sont des gens qui meurent en Afrique. Donc 15%, 90%. 35% des enfants qui meurent de malnutrition pour toute la planète sont en Afrique. 70% des gens qui meurent du sida sont en Afrique. 50% des femmes de toute la planète qui meurent en couche sont en Afrique. Voilà. 15% de la population mondiale, et voilà tous les taux de mortalité que je vous annonce comme une litanie. Et à contrario, 15% de la population mondiale, 3% des professionnels de santé de la planète. Donc, très forte mortalité, fuite des cerveaux sur l'Europe, sur l'Afrique du Sud, sur les États-Unis et l'Australie, qui fait qu'on a cette espèce de double équation fatale, énorme poids de l'impact d'un certain nombre de pathologies, dont celle que je viens d'évoquer, et fuite des cerveaux, fuite concomitante des cerveaux. Et pour finir sur ce continent africain, qui vous l'aurez compris, celui qui me préoccupe, véritable bombe à retardement, parce que 15% aujourd'hui en 2020, on va dire, de la population mondiale, 25% en 2050, 40% de la population mondiale en 2100. Donc, si les problèmes structurels que je viens de résumer par les équations épidémiologiques sanitaires ne s'améliorent pas, eh bien, vous voyez bien ce qui peut se produire, comment elles pourraient se dégrader si ce continent passait de un septième de la population mondiale en 2020 à 40% de la population mondiale à 2100 et que n'étaient pas résolus les mécanismes qui conduisent à cette réalité sanitaire. Voilà, une touche négative pour terminer, mais j'espère que je serai plus positif dans les échanges qu'on aura. Et je vous remercie de votre attention. Donc ça, c'était que l'Afrique. Mais quelles sont les autres zones de la planète aussi qui sont concernées ? L'Asie du Sud. Bangladesh, Inde, Pakistan. C'est les deux grands spots. Et en Afrique, de façon pas uniforme. C'est-à-dire que la situation de l'Afrique du Sud n'est pas celle de la RDC, qui n'est pas celle du Maghreb. Donc là, c'est pour ça que je dis que c'est un peu caricatural. L'espérance de vie aujourd'hui la moyenne de l'espérance de vie sur le continent africain, c'est 59 ans. D'accord ? La moyenne de l'espérance de vie en France, vous la connaissez ? Vous ne la connaissez pas ? 84 ans pour les femmes et un petit 80 ans pour les hommes. Dans ce débat, si vous avez des questions pour vous, justement. Si je ne vous ai pas accablé avec la chute sur l'Afrique, mais c'est une réalité, donc c'est difficile de ne pas. Oui, une question qui me préoccupe depuis très longtemps. Quand j'étais très jeune, j'ai lu un ouvrage qui s'appelait Géopolitique de la faim de Josué de Castro, qui avait eu un grand succès dans les années 60, peut-être même avant. Et qui exposait déjà pourquoi on mourait de faim à l'époque, et qui esquissait quelques solutions, et en particulier ce que, encore aujourd'hui, l'alternative que vous avez exposée, d'une part, un développement agro-industriel qui accapare les terres, éventuellement, les empoisonne plus ou moins, et surtout exclut de leur territoire un certain nombre de familles qui vont en ville avec autres problèmes, comment se nourrir en ville, et ainsi de suite. Et puis l'autre voie,
esquissés par des mouvements comme Via Campesina, qui parlent d'un droit à ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit pour les populations paysannes de vivre de leur terre. Parce qu'il y a quand même cet énorme paradoxe que vous avez souligné, qui est que les gens mal nutris dans le monde, c'est avant tout des paysans. Alors, une petite note d'espoir quand même. C'est désespérant d'imaginer qu'il y a déjà 50 ans, le problème était explosé clairement. Les solutions aussi étaient exposées. Josué Castro disait, plus le taux de culture s'élève et moins les gens ont d'enfants, c'est les gens pauvres qui ont beaucoup d'enfants, donc plus la situation s'améliore et moins la démographie galope en quelque sorte. Ben, tout ça a été déjà clairement exposé et on n'a pas du tout avancé, ou très peu. On est obligé encore aujourd'hui de venir au secours de populations qui meurent de faim avec des moyens qui, par ailleurs, sont aussi un peu périlleux parce que en concurrence avec l'agriculture locale et ainsi de suite. Alors, pourquoi on en est encore là ? Alors, deux remarques sur la mort, sur les taux de fécondité, ou plutôt le nombre d'enfants moyen par femme. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que y a deux critères qui font baisser les taux de fécondité dans un pays. Et vous les avez cités. Le premier, il y en a un que vous n'avez pas cité. Le premier, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, le taux de mortalité. Nous sommes une famille qui perd beaucoup d'enfants. Nous faisons beaucoup d'enfants. Surtout si nous sommes sur un modèle traditionnel, encore une fois, pour qui nos enfants, c'est, comme le dit le proverbe chinois, la force. L'enfant, c'est la force dans le champ, et c'est aussi notre assurance retraite. Nous perdons beaucoup d'enfants, nous faisons beaucoup d'enfants. L'autre critère, c'est le taux d'alphabétisation des femmes. Une population qui maîtrise sa mortalité infantile, donc qui maîtrise son système sanitaire, etc., ses risques, et qui éduque les filles, est une population qui va avoir moins d'enfants, quelles que soient les civilisations, quelles que soient les religions. Emmanuel Todd, le démographe, avait fait une enquête très intéressante sur ça, en disant que, quelles que soient les religions, ça fonctionne. Les femmes, quand elles sont éduquées et qu'elles perdent moins d'enfants, il y a inexorable. Type Turquie, et bien les femmes turques, elles sont complètement dans ce modèle. Autre chose que vous évoquez, la question de pourquoi est-ce que ça fait 50 ans, alors que ce que j'ai dit tout à l'heure est exposé déjà de par un nombre d'auteurs, depuis des décennies. Ce que montrent les analyses, c'est que la question cruciale, c'est, dans quel que soit le pays, l'effectivité et la puissance de l'État. Si vous avez un État fort, un État régulateur, qui arbitre ces questions d'accaparement, qui arbitre la répartition des richesses, ça le fait. Si vous avez un État déliquescent, ou prédateur, ou... alors ça ne marche pas. Donc, c'est la question de la souveraineté politique également. C'est-à-dire que, voilà, si l'État fait son boulot... Alors, l'école de Zurich, il y a une école qui s'appelle le Zurich Center for Security Studies, donc, qui s'occupe de la conflictualité. Sur les questions environnementales, ils ont une position intéressante que j'utilise souvent avec les étudiants. Ils disent, voilà, les liens qu'il y a entre l'environnement et la violence obéissent en gros à deux grands types de tableaux. Il y a les tableaux de la malédiction des ressources et il y a le tableau de la rareté des ressources. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la malédiction des ressources ? Quels pays sont concernés par la malédiction des ressources ? Ce sont des pays qui ont la malédiction d'avoir des ressources mondialement rares, mais localement abondantes. Ce sont les diamants de RDC, le bois précieux de Birmanie, le pétrole du Niger. Donc ça, c'est la malédiction des ressources. C'est-à-dire que non seulement ces ressources ne profitent pas à la population locale ou nationale, mais dans un État dérégulé, c'est la loi du plus fort, c'est les seigneurs de la guerre, et non seulement les gens ne profitent pas de ces richesses, mais ils sont réduits en esclavage
en Afghanistan ou en RDC pour les diamants ou en Birmanie pour les diamants, pour l'avoir vécu, etc. Et puis il y a la rareté des ressources. Ce sont des situations qui concernent des ressources mondialement abondantes, mais localement rares. Donc la terre et l'eau. Ils sont mondialement abondants, mais si vous vivez dans une région où vous avez un stress sur l'approvisionnement en eau, ou une conflictualité pour l'accès à la terre, vous avez une autre situation. Et donc on voit bien qu'on a là deux mécanismes de nature différente, mais qui vont aboutir tous les deux à générer de la violence entre les gens. Le dénominateur commun étant dans un cas comme dans l'autre, la question de la régulation par l'État. Les Chinois ont acheté, et ça a fait la une, je ne sais pas si vous suivez l'actualité de près, 6000 hectares dans l'Indre, il y a un an ou deux. Alors là, ça a été... Mais ça, ils le font en Afrique à grande échelle, dans d'autres pays asiatiques, simplement coup de projecteur des médias, monter au créneau des associations. Je vous garantis que les Chinois, ils sont plus près d'acheter 6000 hectares en France avant un bon moment. Pourquoi ? Parce que contre-pouvoir de la société civile, rôle de régulation du gouvernement. Mais si vous êtes dans un état qui est complètement à vos... C'est pas 6000 hectares, c'est... J'ai plus mes notes là, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'hectares qui changent de main. Parce que l'État, et autre situation que j'ai beaucoup vécue par exemple en Afrique, auquel on ne pense pas toujours, c'est en quoi des populations traditionnelles se trouvent piégées par la modernité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes un paysan africain. Et d'un point de vue ancestral, vous savez que vous êtes propriétaire de cette parcelle. Pourquoi vous êtes propriétaire de cette parcelle? Tout le monde dans le village sait que votre père était propriétaire de cette parcelle, votre grand-père était propriétaire de cette parcelle. Simplement, la modernité, c'est qu'il y a toute une élite africaine qui, eux, ils savent ce que c'est qu'un relevé cadastral, ils vont chez un notaire, et puis quand on a une friction en périphérie d'une grande ville africaine pour un conflit sur un lopin parce qu'il y a un promoteur qui veut construire un immeuble ou une zone industrielle, il va y avoir un télescopage entre les règles de transmission traditionnelles avec les règles de la modernité. Vous avez les petits paysans locaux du village qui vous disent « Mais vous ne pouvez pas construire un immeuble, c'est le terrain de mes aïeux. » Ah non, non, c'est pas le terrain de vos aïeux, regardez. Vous savez ce que c'est un cadastre? Ils ne savent pas lire. Voilà, je suis passé devant chez notaire, c'est pas du tout. Et ça, ça nous paraît, pour nous, ça sort de notre schéma mental parce qu'on ne vit pas dans cette société, mais ce sont des conflits tous les jours en Afrique. La société, l'élite éduquée africaine, ayant bien compris la manip, et donc vous avez cette confrontation, et la confrontation, souvent, elle se termine par de qui vous pouvez le supposer. Hein. Donc, pour vous répondre, la puissance de l'État. Et voilà. Et le problème des ethnies. Le problème des ethnies. Parce que moi, je suis allée en Centrafrique avant qu'il y ait. Il y a 30 ans. Et il n'y avait pas ces guerres. On a divisé pour régner. Absolument. Absolument. Ce que je dis souvent aux étudiants, c'est. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous expliquerait qu'un conflit, il est purement religieux, que le Darfour serait un conflit, comme ça a été dit, d'un islam radical contre un islam modéré, ou que tel conflit Centrafrique serait un conflit interethnique. Non, ça n'existe pas. Un conflit, c'est toujours un substrat lié à l'exercice du pouvoir et qui va instrumentaliser ou rebondir sur des lignes de fracture historiques. Soit à dimension tribale, soit à dimension religieuse, mais ce sont des situations. Alors bon, on peut discuter, hein, on peut discuter parce que il y a plein de régions où les communautés vivent en bonne intelligence et les conflits redémarrent quand elles sont instrumentalisées par le politique. La question syrienne, j'ai pas le temps de le développer là, qui est une question que je connais assez bien. La question syrienne est une question éminemment instrumentalisée. Sur la question religieuse, par la famille Assad. Mais avant la famille Assad,
la question religieuse a été instrumentalisée par la puissance coloniale. Parce qu'une des caractéristiques des beaucoup de puissances coloniales, ça a été toujours, pour maîtriser la majorité, d'essayer de changer le rapport de force localement entre des ethnies minoritaires et des ethnies majoritaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancien occupant français en Syrie, il a favorisé les Alaouites en se disant, si je mise sur les Alaouites dans la maîtrise du pouvoir dans cette région, je sais que je pourrais reposer sur mes alliés alaouites pour s'opposer à la majorité sunnite. Donc enfin, c'est compliqué, c'est-à-dire que après ce clivage s'est apaisé, mais la famille Assad a récupéré cette question religieuse dans les années 80. Je pourrais, si vous voulez, je peux vous en parler. Mais... On a vu dans des films là, qui parlaient des structures, comme par exemple celle qui était rattachée à l'OTAN. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça fonctionne, d'où vient l'argent, qui décide, comment ils interviennent dans les pays? Vous parlez de laquelle? Ça, comment ils dans le film, je n'ai pas retenu le nom, l'acronyme, hein, celle qui était rattachée à l'OTAN. La NASA? Non, mais c'est pas l'OTAN. Non, c'est. Non, ça, ce sont des grandes structures où. Oui, parce que alors elles sont subventionnées par des fonds gouvernementaux. C'est pour ça que le film dit que sur le Burkina Faso, ceux qui abondent la cagnotte, c'est en grande partie la France. Et puis il y a d'autres régions, ça va être le Canada ou ça va être l'Australie. Ce que dénonce le film, c'est que sous couvert de résoudre l'équation alimentaire de la planète, on le fait en faisant la promotion d'un système qui est résolument celui de l'agriculture agro-industrielle. Et que donc on va justifier d'un objectif de résultat qui est de dire mais c'est par ce modèle-là de gros conglomérats agricoles et industriels que nous pouvons relever le défi du continent africain. Et ce que dénonce le film, c'est de dire mais en même temps qu'on dit vouloir faire ça, on joue un rôle complètement pervers dans la répartition des richesses entre les petits agriculteurs et ces gros groupes industriels. Deux, on fait la promotion. Oui, ce sont des structures internationales subventionnées par des États étrangers, payées par des États étrangers, et c'est présenté comme de l'aide publique au développement en disant mais on soutient. D'ailleurs, la France vient de se retirer. On soutient la mise en place de cette coordination parce que nous, pays européens, nous considérons que c'est une bonne façon d'aider le continent américain, le continent africain. Et les ONG disent, non mais attendez, c'est pas la bonne façon, regardez ce qui se passe. Vous chassez la petite paysannerie, qui va venir gagner l'exode rural en périphérie des grandes villes africaines, qui vont être complètement dénutries. Vous fomentez du conflit social et vous faites la promotion d'un modèle d'agriculture éminemment perturbant du point de vue du réchauffement climatique. Donc on marche sur la tête. Ça, c'est ce que dit le secteur associatif. Oui, alors la question de départ qui était pourquoi encore la faim dans le monde en 2018, moi je répondrais parce que le système capitaliste existe aujourd'hui. On a effectivement la nécessité de chercher des marchés solvables, hein, et la nourriture n'est pas une marchandise comme une autre. C'est pour ça qu'on a une statistique quand même qui est édifiante et qui est en même temps assez abominable, c'est que d'après l'ONU, il y a environ 40% de la nourriture produite dans le monde qui est jetée, qui est gaspillée. Donc ça c'est un des méfaits du capitalisme tel qu'on le connaît. Et deuxième méfait qui est le corollaire des capitalistes, c'est le libre-échange. À savoir que la division internationale du travail implique de spécialiser les pays sur les marchandises sur lesquelles elles ont les plus bas coûts de production. Hein, caricaturalement, on peut dire que les paysans d'Asie du Sud-Est produisent du riz, qui est une culture vivrière, qui n'est plus une culture vivrière, qui est importée vers les pays industriels, pour en faire des sushis, par exemple, et on se retrouve ensuite effectivement avec 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, notamment en Asie, pendant qu'à peu près un tiers des Américains aujourd'hui souffrent d'obésité. C'est-à-dire qu'on
retrouve avec 80 millions d'Américains obèses et 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Hein, donc, moi, la question que je pose, c'est pour éradiquer la faim dans le monde, ne faut-il pas changer de système ? Sûrement, mais ceci dit, je ne suis pas sûr que le modèle capitaliste ait le monopole de cette monoculture d'exportation pervers. Hein. C'est typiquement ce que vous dites pour contrebalancer la posture politique, c'est la cause du divorce entre René Dumont et Cuba. René Dumont disant, mais Cuba marche sur la tête en ayant tout misé sur la production de canne à sucre pour alimenter ensuite le bloc de l'Est, alors que, voilà typiquement ce qu'on appelle le mal hollandais, c'est-à-dire je mets le paquet sur... je suis au Sénégal et je déstructure mes petits paysans, je demande à tout le monde de produire du coton. Matière d'exportation pour l'industrie textile européenne ou américaine. Et je leur demande de s'hyper spécialiser en une culture, une monoculture d'exportation, mais le coton n'a jamais fait manger personne. Comme la canne à sucre ne suffit pas à alimenter la population cubaine, comme, l'huile de palme... ne suffit pas à nourrir la population d'Indonésie. Donc, vous pointez le capitalisme, à mon avis, à juste titre, hein, mais je dirais, pour aller plus loin, vous parlez de globalisation aussi, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un monde système, où on demande à tel pays de produire telle marchandise pour une architecture industrielle mondialisée, oui. Et je ne vous parle pas du gaspillage. Oui, pardon, je voudrais juste, parce qu'il a dit un mot important, la question du gaspillage. Bon, une loi vient d'être promulguée en France. Les grandes surfaces n'ont plus le droit de détruire les restes alimentaires. Vous savez ça. Hein. Autrefois, ils le passaient avec des produits chimiques. Aujourd'hui, la loi l'interdit. C'est-à-dire qu'au moins, il faut que ces produits puissent être donnés sans difficulté au secteur associatif, au Resto du Cœur. C'est un exemple, on va dire, un petit peu... anecdotique, mais quand même, ça veut dire. Mais en matière de... Non seulement la nourriture est gaspillée, elle est gaspillée ou elle est dévoyée, c'est ce que j'ai cherché à dire tout à l'heure. Regardez la part, mettons, si on prend un domaine que je connais un petit peu, qui est la question de la pêche. Le gaspillage qu'il y a dans la pêche, avec les petites prises, etc., qui sont rejetées à l'eau morte. D'accord ? La question... Alors, c'est pas du gaspillage. C'est ce que j'appelle le détournement de la finalité première. Quand vous, au large de la Mauritanie et du Sénégal, vous avez des bateaux-usines qui raclent tous les poissons qu'ils attrapent pour faire de la farine de poisson qui va être destinée à alimenter la volaille européenne ou la volaille d'Amérique du Nord, c'est une aberration d'un point de vue strictement, on va dire, logique. Vous prenez des farines de poisson qui vont vous servir, des protéines de poisson, que vous allez déshydrater en dépensant de l'énergie, etc., pour aller nourrir des volailles qui vont produire des protéines animales. C'est une aberration. De la même façon que quand vous amenez des agriculteurs ou des pays à faire de la monoculture de soja pour alimenter le bétail européen ou le bétail nord-américain, c'est une aberration. Vous les rendez dépendants d'une monoculture d'exportation, de protéines végétales, pour les mettre en situation d'utiliser ces protéines végétales pour produire des protéines animales. Du point de vue du bon sens paysan, on va dire. C'est n'importe quoi. Je voulais savoir ce qu'on devait faire avec le commerce équitable. C'est vraiment équitable ? Je ne sais pas. Je ne suis pas très compétent. Non, je ne me sens pas compétent. Non, ce que je voulais dire, parce que je n'ai pas prononcé le mot, c'est que derrière tout ce que j'ai raconté là sur changement climatique, conflit, tout ça mélangé, faim, il y a la question des phénomènes migratoires. Je l'ai évoqué rapidement, mais c'est une question cruciale quand même. C'est une question cruciale parce que on atteint des flux migratoires, 62 millions 2017, 62 millions de personnes victimes de ce qu'on appelle des déplacements forcés, c'est-à-dire de personnes qui ont fui leur maison de façon non volontaire, enfin, qu'elles n'ont pas souhaité, qu'elles n'ont pas désiré. Et parmi ces 62 millions de personnes déplacées forcées, de mémoire, 23 millions de déplacés forcés qui ont franchi une frontière, c'est-à-dire qui vont revendiquer un statut de réfugié.
coordonner avec toutes les structures, les ONG, l'UNICEF, comment vous voulez intervenir sur un pays entre les grandes, localement, oui, oui, c'est mieux de poser la question comme ça, parce que c'est, en pratique c'est comme ça que ça se passe. En général, il y a deux cas de figure. L'État national est puissant ou il n'est pas puissant. Si vous allez au Rwanda, vous ne pouvez pas bouger une oreille sans l'assentiment du gouvernement rwandais, qui est un gouvernement. Ou si vous allez en Inde, vous ne pouvez pas bouger une oreille sans l'assentiment, parce que ce sont des pays très souverainistes, dans lesquels l'État est puissant. On peut penser ce qu'on veut de l'État rwandais ou de l'État indien, mais ce sont des pays qui revendiquent leur souveraineté. En disant, attendez, vous n'allez pas venir chez nous faire n'importe quoi, nous, on ne va pas en France faire de l'aide humanitaire sans un certain nombre d'autorisations, etc. Donc ça, malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, ce qui caractérise beaucoup de pays en crise, c'est la faiblesse de l'État, ce qu'on appelle les États faillis, même si tout le monde n'est pas d'accord avec le concept. Donc soit vous avez un État fort, souverainiste, c'est lui qui régule, soit vous n'avez pas d'État fort et souverainiste, et puis après ça dépend tout de la situation, c'est-à-dire soit l'État est faible, mais il accepte de déléguer son pouvoir aux intervenants internationaux, type Haïti qui s'effondre au sens propre et au sens politique après le séisme, et qui accepte de dire, d'abord beaucoup de ministres sont morts, beaucoup de fonctionnaires sont morts, on accepte que les Nations Unies prennent le leadership. Donc ça c'est un cas de figure. L'État accepte, plus ou moins contraint et forcé, plus ou moins d'accord, mais au nom d'un principe de réalité. Soit l'État est explosé, la Syrie, l'Afghanistan. Alors là, c'est plus compliqué, parce que l'État n'exerce plus son pouvoir, mais il y a des groupes présentés comme rebelles, mais se marier avec l'un ou se marier avec l'autre n'est pas indifférent pour les autres. Et donc dans ces cas-là, la coordination, elle est faite par une grande organisation internationale, soit les Nations Unies, soit le Comité international de la Croix-Rouge, le plus souvent, c'est ça. Et les ONG essayent de respecter une forme de coordination, à la fois sur les lieux où on s'implante, à la fois sur Action contre la faim n'a pas les mêmes compétences que Médecins sans frontières, qui n'a pas les mêmes compétences que le CCFD, etc. Donc cette coordination, même quand l'État est complètement à volo, elle existe sous la houlette d'une grande organisation internationale. S'il n'y a même pas les grandes organisations internationales, on essaie qu'on se parle quand même. Et puis si l'État est souverainiste, il ne laisse pas le choix. Il nomme un comité de coordination et chaque implantation d'ONG est subordonnée à une autorisation du gouvernement qui vous dit non, vous n'allez pas là, vous allez là. Et on vous demande d'aller là pour faire ça. Ça va? Ça ne va pas? Le Rwanda, c'est ça. Vous avez évoqué que l'Afrique ne représenterait 40% de la population mondiale. En 2100. Voilà. Donc ça laisse supposer que le flux migratoire n'a pas fini de... Absolument. Voilà. Donc est-ce qu'ils n'ont pas conscience de ça? Pas que je suis contre les migrants, mais au contraire. Mais ne serait-il pas plus logique de leur permettre de vivre correctement chez eux et de faire une... Mais c'est précisément, madame, pour ça que le film sur l'Amazon... Qu'est-ce que dit le film sur l'Amazon? Si nous laissons faire ces grandes sociétés internationales qui exproprient des petits paysans, qu'est-ce qu'ils font les petits paysans? Ils vont d'abord vivoter autour d'Abidjan ou autour de Niamey ou autour de Nouakchott. Et comme c'est nos futurs pour une grande majorité d'entre eux, l'étape d'après c'est quoi? Ben, j'ai un cousin en France ou j'ai un cousin en Belgique. Donc tout est lié. C'est pour ça que je pensais que je n'avais pas assez insisté sur la question du lien de tout ça avec les flux migratoires. Tout est lié, c'est-à-dire que malheureusement, l'Afrique n'a pas toutes les cartes en main pour décider à elle seule de réguler tout ça. Elle peut éventuellement le faire, là où les États ne sont pas corrompus et pas prédateurs, mais encore faut-il que un certain nombre d'acteurs internationaux jouent le jeu aussi. Ne pensez-vous pas qu'en France, à moindre échelle, c'est un petit peu pareil, les petits paysans, quand même, ils disparaissent de plus en plus. Donc, est-ce que c'est quand même, au-delà de l'Afrique, c'est... Alors, d'abord, je ne sais pas si c'est encore vrai en France. Je ne sais pas si c'est encore vrai. Je ne sais pas, honnêtement. Hein. Mais enfin, on a aujourd'hui une sensibilité de la société française sur la petite agriculture familiale et l'agroécologie.
Enfin, moi, si je vois avec mes étudiants qui me maintiennent connecté, on a une société française qui ne veut plus aujourd'hui d'un modèle industriel. Mais moi, je conteste le terme aide au développement. Je pense que ce qu'on devrait dire, c'est réparation au développement. Parce que les erreurs qui ont été faites dans les pays dits sous-développés, elles sont bien sûr dues aux grandes sociétés et cette politique agro-industrielle actuelle, mais je pense aussi que les États qui sont intervenus avant ces sociétés sont responsables de gros choix politiques qui ont mené à des situations critiques. Je prends par exemple les instituts de recherche français. C'est eux qui ont, en inventant des méthodes de culture in vitro pour multiplier le palmier à l'huile, qui ont envahi le Brésil et l'Indonésie, du palmier à l'huile, tout à fait artificiel et tout ça. Je prends un autre exemple, au Sénégal, dans les années 1980, on a dans beaucoup de régions demandé aux agriculteurs d'arrêter la culture du mil pour faire de la tomate et du poivron et les envoyer en France à contre-saison. Et maintenant, on leur dit, mais non, on achète le cam, on n'achète plus le fruit. Et je crois qu'on fait des choix qui ne sont pas uniquement des grandes sociétés agro-industrielles. C'est la question un peu de monsieur tout à l'heure sur la globalisation, sur le système capitaliste, sur l'hyperspécialisation d'une organisation mondiale où on hyperspécialise là l'huile de palme, là le coton, là les greniers à riz. Ouais. Le chocolat. Quelle est l'évolution en Amérique du Sud? Parce qu'on vient de parler justement de culture. Moi, je pensais, par exemple, tout simplement les avocats que nous achetons au Pérou. On est en train de tout détruire à cause de cette culture des avocats, tout bêtement. Et comment évolue la faim? Bon, ils ne sont pas en situation de famine, peut-être, en Amérique du Sud, mais c'est mal parti entre la déforestation, nos restes qu'on va essayer de faire pousser là-bas pour nos protéines à nous, les cultures qui seront exportées. Je c'est un continent que j'ai beaucoup connu, mais je suis moins connecté aujourd'hui. Je pense qu'il y a le meilleur et il y a le pire. Dans le meilleur, il y a un pays qu'on présente comme le bon élève, c'est le Costa Rica, par exemple, sur la question environnementale. Sur la question de la déforestation, vous savez que c'est une question cruciale dans le cadre des accords de la COP21. Je peux peut-être vous en dire deux mots. Et donc le Brésil, les pays qui déforestaient beaucoup et qui acceptent de moins déforester reçoivent des subventions internationales, doivent recevoir des subventions internationales. C'est-à-dire que, si je prends, j'ai trois minutes, Jean-Marie, pour parler de ça. Tout à fait. Donc la COP21, qui a, donc, à cause de la dimension climatique qui est complètement en lien avec le sujet de ce soir, elle avait annoncé qu'elle allait mettre les pays les plus riches en situation d'abonder un fonds qu'on appelle le fonds vert, et que l'ambition de la COP21 était que nous devions arriver en 2020 à cotiser à hauteur de 100 milliards de dollars par an dans une cagnotte, et que cette cagnotte allait servir à prendre les mesures effectives pour atteindre les objectifs de la COP21, c'est-à-dire stopper le réchauffement climatique à plus de 2 degrés plutôt que plus 4 annoncé par le GIEC. Le GIEC, vous savez ce que c'est? Vous savez tous ce que c'est le GIEC? Oui. Donc, enfin, pour ceux qui ne savent pas, le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est-à-dire que les pays se chamaillaient sur la réalité du réchauffement climatique. Un pays comme l'Inde, par exemple, où je suis beaucoup allé il y a certaines années, me disait, mais ça, c'est des fadaises des pays occidentaux. Ils voient qu'on est en train de décoller au plan industriel, ils veulent maintenir la tête sous l'eau, donc c'est des fadaises, l'histoire du réchauffement climatique. Et puis
puis alors comme on n'en sortait pas de cette histoire, à un moment donné, on s'est dit, non, il faut quand même aboutir à créer une autorité scientifique dont on ne puisse pas remettre en cause l'intégrité. Donc, on a créé un truc qui s'appelle le groupement intergouvernemental sur l'évolution climatique, où là-dedans, il y a 2000 experts scientifiques de tous les pays. Et ils font des rapports qui sont considérés, je crois qu'il a été mis en place en 92 ou un truc comme ça, ils font des rapports qui font autorité, et en tout cas plus personne aujourd'hui ne leur fait le grief d'être partie prenante. Donc, alors je vous passe tous les détails, ce GIEC a débouché sur la CNUC, le Conseil de surveillance des Nations Unies pour le changement climatique, la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Donc on avait l'instance scientifique, on avait l'instance politique, il y a eu la COP21, parce que le GIEC de 2014, qui devenait donc du coup plus personne ne lui faisait de faux procès, a dit attention, 2014, on va, si on continue comme ça, on va à 4 degrés de plus en 2100. Alors ça met le feu aux poudres, parce que ça veut dire la productivité agricole, la progression de la désertification, la montée de 1 mètre du niveau de la mer avec... l'incidence sur les grandes villes asiatiques et les flux migratoires, etc. Bon, ça a été le déclenchement. La COP21 s'est tenue. Après, on a dit, bon, OK, on a l'instance scientifique, qui est le GIEC, on a l'instance politique, qui est la CNUC, mais en gros, maintenant, on fait quoi? On fait quoi? Donc, une des conclusions de la COP21 de Paris, c'était de dire, ben, il faut qu'on prenne des mesures. Pour faire ces mesures, il faut abonder une cagnotte pour faire. Cette cagnotte, je vous passe les détails, qui sont des détails d'experts, c'est 100 milliards, il faut qu'on soit capable de mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, chaque année. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces 100 milliards de dollars? On les utilise sur deux grandes stratégies, une stratégie dite d'atténuation et une stratégie dite d'adaptation. Atténuation, c'est toutes les mesures que l'on prend pour atténuer l'accélération du réchauffement climatique. Diminuer les gaz, l'industrie polluante émettrice de gaz à effet de serre, diminuer certains comportements alimentaires, machin, diminuer la déforestation. Donc, le fonds vert, sur le volet atténuation, devait subventionner les pays en développement pour adapter leur industrie et demander aux pays qui déforestent de moins déforester. Parce que quelle était l'attitude des pays en développement qui était de dire, attendez, ça fait 150 ans que vous pourrissez la planète avec la révolution industrielle, maintenant que nous, les Chinois ou les Indiens, on commence à décoller, là, on devient les grands pollueurs de la planète. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, comme le dit les Nations Unies, on veut bien prendre une part de responsabilité commune, mais différenciée, dans une lecture, non pas aujourd'hui, mais dans une lecture historique. C'est quoi votre bilan carbone à vous, les Français, les Allemands, de la Ruhr et les Nord-Américains? Donc, il ne faut pas nous faire la ritournelle. Donc, on veut bien assumer une responsabilité commune, mais différenciée, mais vous devez nous aider à acquérir l'appareil industriel qui nous épargne de passer par la case industrie polluante. Si vous nous aidez, et vous devez nous permettre encore pendant quelques années de polluer, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Si vous nous aidez, ok. Si vous ne nous aidez pas, au nom de la responsabilité historique que vous avez, on continuera pareil. Hein. Donc, débrouillez-vous, vous, pour diminuer la voilure, mais nous, on va continuer. Donc, ça, c'est la logique atténuation. Et puis, il y a une logique dite, il y a de l'argent qui doit être dégagé pour la deuxième stratégie, qui est la stratégie d'adaptation. Adaptation, ça veut dire quoi? C'est qu'on sait d'ores et déjà qu'il y a des effets inexorables du réchauffement climatique. Baisse du rendement agricole, augmentation du niveau de la mer. On ne va pas rester comme des moules frites comme ça à regarder passer les bus. Donc on se dit, il faut qu'on anticipe. Si jamais il y a telle île au niveau du Bangladesh qui va disparaître, il faut qu'on anticipe et qu'on adapte le flux migratoire des populations qu'il va y avoir. Donc nous devons prendre des mesures qui sont plus de diminuer l'augmentation de la température, mais de préparer les impacts qui arriveront quoi qu'il arrive, qu'on soit bon élève ou pas, de plus de 2 degrés ou plus 4 degrés, il va y avoir des impacts. Et on sait où, on sait quoi. Donc il faut s'y préparer. Voilà. Mais
les Américains viennent d'annoncer qu'ils se retiraient des accords de Paris. En même temps qu'ils se retirent des accords de Paris, ipso facto, ils ont renoncé à leur contribution financière pour abonder les 100 milliards d'euros annuels du Fonds vert. Pardon, je suis un peu long sur le développement, mais la COP 21, c'est très important. Pour une note optimiste, est-ce que vous pourriez nous parler d'une expérience d'action contre la faim qui marche? Il y en a plein, il n'y a que des donateurs potentiels dans la salle. Alors elles marchent toutes, hein, très très bien. Non, celle que j'ai vécue, qui est, je trouve, assez emblématique, à la fois parce qu'elle marche, pour vous faire un clin d'œil, mais parce qu'elle montre aussi qu'aujourd'hui, l'aide humanitaire du sac de riz sur l'épaule, c'est fini. C'est ce que fait Action contre la faim au Tchad, où on retrouve toute la palette de ce que j'essayais de décrire dans les mécanismes, c'est-à-dire que qu'est-ce que fait ACF au Tchad? D'abord, soutient les petits paysans pour les aider à s'adapter au changement climatique. Donc, essayer, on emploie beaucoup d'ingénieurs à Grenoble, d'ingénieurs agricoles, de dire, ben voilà, la température augmente, l'eau douce à notre disposition, elle devient plus rare. Donc réfléchissons ensemble à qu'est-ce qu'on peut, quelles options on a en termes de changements culturaux pour nous adapter à cette nouvelle réalité climatique. Donc on a, ça c'est tout le travail d'amont, de dire ben, le réchauffement est là, donc les agriculteurs sédentaires doivent en tenir compte. Un conflit très fréquent dans cette région d'Afrique, c'est le conflit entre agriculteurs sédentaires et pasteurs. Pourquoi? Parce que dans toutes ces régions du lac Tchad ou ailleurs, ou du Darfour, qui est une région qui se prête éminemment à cet exemple, on a toujours eu des zones à la frontière entre les zones sahéliennes et les zones de production maraîchère. Avec le changement climatique, les frontières géographiques bougent, et donc on a des pasteurs migrants qui se mettent à changer de pratique et à venir faire paître leurs troupeaux hors des limites territoriales habituelles ou hors des limites calendaires habituelles, et ça génère de la conflictualité entre agriculteurs sédentaires et agriculteurs pasteurs. Alors on va dire, oui, mais comme par hasard, les pasteurs sont des Touaregs musulmans et les sédentaires sont des catholiques, machin. Et on va transformer ça en conflit religieux, d'un conflit qui est un conflit économique entre paysans. Bon. Donc pour répondre à ce type de problématique, ACF travaille sur ces questions avec des ingénieurs agro. On surveille la survenue de périodes de rupture au moment des récoltes. C'est-à-dire que malgré ce travail, il y a quelquefois des récoltes qui sont insuffisantes, et donc on va surveiller la survenue d'une famine pour être capable, en cas de période de rupture, d'éviter une grande famine, pour le coup, en aidant les familles à se nourrir dans l'interpériode en attendant la récolte suivante. Et puis, autre activité, on va chercher à détecter au sein des familles les tableaux des enfants qui présentent des malnutritions aiguës sévères. Parce que ceux-là, si on ne les repère pas et qu'on ne les fait pas venir à l'hôpital de Mao, dans la région où on travaille, ceux-là, ces tableaux faméliques là, de l'enfant que vous voyez il y a des dizaines d'années, ils vont mourir. Donc voilà ce que fait l'association, c'est-à-dire analyser les systèmes agricoles, essayer d'accompagner les paysans sédentaires et les pasteurs à adapter leurs pratiques pour se confronter aux nouvelles réalités sans générer de la conflictualité d'un groupe par rapport à l'autre. Surveiller les périodes de rupture au moment des productions agricoles. Soutenir par des plans d'urgence si nécessaire. Surveiller les familles les plus à risque pour éviter la mort des enfants qui souffrent de sous-nutrition. Voilà. Vous voyez toute cette chaîne de la genèse de la sous-nutrition jusqu'à la situation de sous-nutrition aiguë sévère. Et l'association, voilà, je trouve que c'est plus le fait que nous sommes très impliqués avec des systèmes de repérage satellitaires pour voir la progression de la désertification, hein, ce qu'on appelle la ceinture verte, comment progresse la désertification dans cette zone. Voilà ce qu'on fait. Alors je vous passe les détails des Rohingyas. Des Rohingyas qui massivement ont quitté la Birmanie pour arriver
au Bangladesh et l'association a développé des programmes énormes, parce que là c'était tout autre chose. Là tout d'un coup c'était 700 000 personnes qui ont traversé la frontière, qui se sont posées quelque part au Bangladesh, et là on n'est pas dans du long terme comme je viens de vous décrire, il s'agit de faire manger et boire 700 000 personnes. Donc ACF n'a pas pris 700 000 personnes, on a pris une part, mais là on est sur du classique de chez classique d'aide d'urgence, de gens qui il faut les aider au quotidien sinon ils vont mourir. Donc c'est une autre logique. C'est la fin de ce débat et cette soirée. Oui. Est-ce que justement Action contre la faim prévoit des programmes de formation au niveau de la population elle-même? Par exemple, vous parliez de. Il y avait un lien très fort entre justement cette malnutrition et le peu de médecins qui étaient disponibles. Et toujours, on envoie des médecins de d'autres pays où on a besoin de tout, et on les envoie là-bas. Et pourquoi quels sont les programmes de formation pour que ce soit la population elle-même, les gens de là-bas, qui se prennent en main c'est pas surprenant, mais c'est qu'ils arrivent à gérer leurs problèmes, que ce soit les ingénieurs agronomes, les médecins, etc., les gens qui vont y réfléchir, parce qu'ils les ont, les cerveaux, de toute façon. Donc, Alors, cette africanisation, entre guillemets, dans le cas du continent africain, mais ce qui est vrai aussi en Inde, ACF est très engagé dans la question de la transposition à des cadres non occidentaux. Vous me posez une question qui est double. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on fait pour... comme on dirait en Amérique latine, pour conscientiser la population, c'est-à-dire pour la rendre acteur, actrice de sa propre destinée. Sur les questions agricoles, on est obligé. C'est l'exemple que je prenais sur le Tchad. Soit vous dites, je vais faire le SAMU et je vais regarder passer les famines et intervenir au moment de chaque famine, soit vous voulez justement, par un travail de sensibilisation auprès des populations, leur donner les moyens de prendre des mesures adaptatives à ce changement d'environnement auquel elles sont condamnées. Donc c'est à ça que je cherchais à vous dire sur l'histoire du Tchad. Après, par contre, sur les autres strates d'intervention, on a énormément de cadres africains. On a beaucoup, par exemple, d'ingénieurs agro qui sont formés à Agropolis à Montpellier, enfin à Supagro à Montpellier, par exemple, à l'agronomie tropicale de Montpellier. Pourquoi ? Parce qu'on considère que il y a une dimension éminemment culturelle dans les pratiques agricoles, et que un ingénieur agro-africain, il a un certain nombre de repères, surtout s'il a été formé sur ces pratiques. Il a un certain nombre d'atouts linguistiques, culturels, de sensibilité pour expliquer à ses homologues paysans tchadiens des choses qu'un jeune ingénieur français, il va acquérir avec l'expérience. Mais donc nos missions sur le volet agro sont très nationalisés ou africanisés ou asiatisés parce que là en dehors de l'urgence de l'aide d'urgence type Rohingya, ce sont des actions éminemment en lien avec des pratiques culturelles. Donc c'est comme si vous vouliez faire de la psychiatrie en terrain de guerre avec des psychiatres français qui pour l'avoir vécu au Kosovo, qui ne parlent pas la langue. Comment vous voulez faire de la psychiatrie avec des gens qui ont vécu en situation de guerre, vous pouvez être amené à le faire, s'il n'y a pas mieux, en passant par un traducteur. Mais vous comprenez bien que pour prendre en charge une famille qui a perdu la moitié des enfants, ce n'est pas dans un anglais rudimentaire que vous allez faire une consultation psychiatrique, pour parler de mon expérience avec Médecins du Monde. Et puis les instances internationales nous y poussent. Je ne sais pas si vous êtes très, très en lien avec ça, mais il y a eu en 2016 le sommet humanitaire mondial d'Istanbul qui a prôné un rééquilibrage. Parce qu'aujourd'hui, les 25 milliards de dollars que j'évoquais tout à l'heure de l'enveloppe financière de l'aide humanitaire d'urgence, l'aide publique au développement, qu'il ne faut plus appeler de l'aide publique au développement d'après monsieur, les 25 milliards d'aide humanitaire mondiale, quels sont les effecteurs qui mobilisent cette aide ? Cette enveloppe, 60% les Nations Unies, 20% les ONG internationales, 10% le mouvement de la Croix-Rouge,
CICR et Croix-Rouge nationale, etc., et 10% les aides privées ou les aides gouvernementales. C'est ça l'équation. Les grands effecteurs, c'est ça. Alors on critique beaucoup le système onusien. Dans le système onusien, quelles sont les grandes familles qui dispensent l'aide humanitaire? Essentiellement le HCR, le Comité pour les réfugiés, le PAM, le Programme alimentaire mondial, et de façon plus marginale, l'UNICEF. L'OMS, c'est Peanuts. Voilà. On critique beaucoup les 60% des Nations Unies en disant c'est la grosse cavalerie lourde des fonctionnaires internationaux, technocrates et bien payés, etc. Bon, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Istanbul a dit, mais attendez, 20% pour les aides, donc les ONG, 20%, mais dans cette boîte des 20%, 98% de cette boîte, ce sont des ONG internationales. Donc Istanbul a dit, mais pourquoi c'est que ce sont que des ONG internationales? Pourquoi c'est qu'ACF, Oxfam, MSF, Médecins du Monde, pourquoi on ne passe pas par des ONG locales? Ce à quoi nous pousse la réalité de terrain, parce que quand les terrains deviennent très dégradés, type Irak, type Yémen, type Syrie, que les grandes ONG ne peuvent plus intervenir, qui est-ce qui reste toujours sur le terrain? La solidarité de proximité. Donc la posture d'Istanbul est une posture de raison politique, on va dire. Il faut rééquilibrer parce que le monde n'est plus dominé par l'Occident. Et donc il n'y a aucune raison que les grands sauveteurs du monde, ce soient des ONG occidentales. Et aussi par une posture pragmatique qui est de dire non seulement le monde a changé, mais en plus, regardez, il y a des terrains où, de toute façon, vous, les grandes ONG occidentales, vous n'allez pas parce que vous avez peur pour vos équipes. Donc soyons pragmatiques. Et Istanbul a annoncé un objectif qui est de dire, à horizon 2020, d'ici 2020, il doit s'en passer des choses, dans l'enveloppe des 20% gérés par les ONG internationales, 20% de cette enveloppe devrait être gérée par des ONG locales. C'est l'objectif annoncé. Moi, je voudrais poser une question. Comment on peut aider Action contre la faim? Alors, comment on peut aider? Il y a différentes façons. Soit parmi vous, il y a des gens qui ont des compétences et vous pouvez être un jour volontaire sur le terrain. Première forme d'engagement, c'est-à-dire faire acte de candidature pour partir sur une mission internationale si votre métier vous y prête. Deuxièmement, regardez, je crois qu'il n'existe pas au niveau de l'eau de délégations régionales, mais là où on a des délégations régionales, il existe des entités qui font la course contre la faim, qui font des actions de sensibilisation comme ce soit. S'il y avait une délégation de l'Aude, j'aurais pu venir avec le délégué de l'Aude et il en aurait profité pour faire un peu la promotion de sa délégation. Donc essayer d'agréger des bénévoles, parce qu'on a une activité qui s'appelle la course contre la faim. On sensibilise les établissements scolaires à des événements le jour de la journée mondiale de lutte contre la faim, c'est-à-dire le 15 juin chaque année. On organise des courses dans les établissements scolaires et ces courses, dans un système d'accord, sont indexées. Les enfants courent et au prorata de ce qu'ils courent, les parents abondent la cagnotte et ces revenus sont donnés à Action contre la faim. Donc ça, c'est une forme. Et la troisième forme, c'est être donateur lambda. Vous allez sur le site et si ça vous intéresse, de contribuer à hauteur de vos moyens, à contribuer aux actions d'action. Sur Action contre la faim, vous avez le titre avec www, je ne le saurais pas, mais vous faites Action contre la faim sur Internet. Ne vous inquiétez pas, vous allez être bien aidé à trouver le site et les moyens de devenir donateur.